fini par vous réveiller. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé... tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur-là. Maudit sombrage. Bord de ciel allait parfaitement bien pour votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Et je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous, là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi. Ulfric? Le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez l'armée. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, parlez de Dieu, vous en êtes-il? Aucune importance. Sauvegarde est au bout du chemin. Quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Ordi qui devrait aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef! Le bourreau attend. Bien! Dépêchons-nous d'en finir! Regardez, le général Tullius, gouverneur militaire. On dirait que les Talmor sont avec lui. Satanuel. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Helgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilotte met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous, c'est une erreur. Pensez en direction du billot quand vous entendez votre nom, un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là. Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous là, avancez. Qui êtes-vous? Je suis Smashou, mon gars. Salut tout le monde, ici Smashou, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le deviner, je l'espère pour vous du moins, petit let's play sur Skyrim. J'ai envie de redécouvrir ce jeu que j'avais fait sur Xbox 360. Et ma foi, maintenant que j'ai mon super PC qui tourne très bien, que je peux faire tourner Skyrim facilement, que je peux enregistrer Skyrim, j'ai envie de le redécouvrir et... avec vous les amis, vous savez que les temps sont durs pour la chaîne YouTube, avec mes problèmes de 3DS capture. Donc c'est le moment pour moi de me plonger dans autre chose, et j'espère vous embarquer avec moi. J'ai envie tout simplement de créer un Argonien pour cette partie de Skyrim. Un jeu de rôle vraiment basé sur de la fantasy. Alors nous sommes un garçon, il n'y a rien qui me plaît vraiment... teinte de peau, je vais prendre la plus sombre possible, parce que j'aime bien. Celle-ci est très bien.
Bon, la tête, on s'en fout un peu. Voilà. Les peintures de guerre, allons-y. Petite peinture de guerre sur le cou, là, ça me paraît pas mal. En rouge, ouais, bien. On va pimper notre perso. Donc voilà, hein, on s'en fout de tout ça, honnêtement. Voilà, ça par contre, on va voir. Écoutez, j'aime bien les petites cornes comme ça, moi. Ça ou les feuilles. Allez, les feuilles, j'aime bien. Je sais pas. Ok, on va partir là-dessus. Évidemment, notre nom, Smashou, on l'écrit au clavier. Let's go! Vous êtes de la famille d'un des travailleurs des quais de Fayez? Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. Bon, en gros, on est en face d'être exécuté, les amis. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé au Marais Noir. Merci. Suivez le capitaine. Donc voilà, j'ai envie de redécouvrir le jeu avec vous, les amis. J'ai envie de me faire un Argonien. Mon but, ça va être vraiment de jouer un personnage assez équilibré pour pouvoir profiter un petit peu de toutes les choses dans le jeu, aussi bien les armes blanches que la magie. Et donc voilà, je vais faire un Argonien assez équilibré. On va jouer le lézard du Smashou. On va voir comment ça se passe. Bon, nos mains sont entravées, on ne peut rien faire. C'est le début du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas Skyrim, c'est un super jeu. C'est un jeu qui m'a beaucoup fait rêver sur Xbox. Honnêtement, c'est la version remasterisée, il me semble, que je joue. Avec l'extension. Mais bon, c'est un jeu basé vraiment sur un univers de fantasy nordique, comme on peut en trouver dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Avec des dragons, avec de la neige, avec des paysages montagneux, comme on peut le voir d'ici. Je trouve ça magnifique. Bon, lui, il va y passer. Aïe, 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 non. Chien d'Imperio. Justice. Mort au sombrage. Aïe, 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 bon. Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant, le lézard. Le lézard, c'est moi le lézard. Ah. Ça recommence. Donc là, je dirige la caméra, les amis. Hein. J'ai dit... Logiquement, la qualité du let's play sera très bonne. Même s'il y a peu de vues, c'est pas grave. Je souhaite juste que les smashers qui me suivent sur cette vidéo, enfin sur ces vidéos, vont kiffer. Ok, les amis. Je crois que c'est la fin pour Smashou. Quoique. Ah, ah. Voilà, dès le début du jeu, petit dragon au calme. Il est beau. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. On est largué comme ça. C'est le bordel. On se relève. Ok, alors on doit suivre ce mec. Allons-y. Oh là là, il y a un dragon, les gars. Qu'est-ce donc que cela ? Les légendes auraient-elles dit vrai ? Les légendes n'incendient pas des villages entiers. C'est un putain de dragon. Il faut y aller maintenant. Par la tour, allez. Ok, par la tour. C'est parti. On va suivre ce mec. Donc voilà, Skyrim, c'est un jeu vraiment de, on va dire, de fantasy. Oh là. What? Dans un univers nordique. Ok. Qui va vraiment être... C'est un jeu qui est très prenant. Je sais pas si j'irai au bout du jeu. Je sais pas du tout combien d'épisodes je vais faire. Pour l'instant, je commence. J'ai envie de redécouvrir. Pour l'instant, avec vous, mes petits smashers. Et voilà, on verra après si ça... Oula, on se casse le feu du dragon. Encore en vie.
restez près de moi si vous ouais, je suis toujours en vie. Je suis Smashou quand même, mon gars. Occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Ok. Allez, on va le suivre. On a toujours les mains entravées, on ne peut rien faire pour l'instant. Il y a des cadavres un peu partout. Du bois calciné. Oh là. What the fuck. C'est magnifique. Je trouve le jeu vraiment très beau. Maintenant, je suis pas un très très gros joueur PC, mais là je m'y mets un petit peu vu que ma 3DS capture déconne. Allez, on va le suivre. Donc voilà, on va essayer de se plonger un petit peu dans un autre jeu, les amis. Wow. Pour ceux qui veulent me suivre, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore découvert Skyrim, même pour ceux qui ont découvert Skyrim, hein, qui s'ils veulent me suivre. Ah, il s'en va ? Ah, il s'en va pas. Wow. Ok, faut se casser par ici. Ok. Bon, on rentre dans le... On est seulement niveau 1, là c'est vraiment le tout début, les amis. On est niveau 1, on est des sous-merdes hein, pour l'instant, autre... si on veut. Allez, il faut que tu me détaches, mon gars, s'il te plaît. Je crois que c'est lui qui nous détache. Ouh, t'as des bons biscottos, toi, t'as des bons petits bras, hein. Ouais. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces... Ouais, merci. Et voilà. Ah, cool. Voilà notre personnage. Un argonien. Plutôt classe. J'ai jamais fait de reptile comme ça. Enfin, j'en ai fait un, mais j'avais pas fini. Une hache. Une cuirasse, des bottes. Ok, donc on peut prendre tout ça, on peut s'en équiper. D'ores et déjà. Voilà, on est quand même un petit peu plus équipé. On peut dégainer la hache. Ah, c'est verrouillé par ici. Allez, ouvre ça. T'es sérieux? Comment on fait alors? Oh! Ah, ce sont des impériaux. Faut les shooter. Allez, let's go les amis. Allez. La baston, la baston. Ok, il est mort. Allez, un deuxième. Allez. Alors, on peut fouiller. Armure lourde. Une épée. Une dague. Pour l'instant, ça va peut-être pas trop nous servir. Très bien. Allez, on avance. On a notre hache pleine de sang. On avance. Alors, je ne sais pas encore quelle arme je vais donner à cet argonien. Je sais qu'il se servira autant d'armes que de magie. Ça, c'est une certitude. Ah, coffre du gardien. Y a rien. Ok. La petite hache, c'est pas mal, hein. Là, on a de l'or sur la table, on peut la prendre. Il faut ramasser tout ce qu'on peut dans ce jeu. Parce que beaucoup de choses vont nous servir. Ah, un casque. Je l'ai sur moi. Ok, j'ai sur moi le casque. Allez, on continue. La porte est bloquée de l'autre côté, merde. Peut-être que notre copain va nous suivre. Où es-tu, copain, copain, copain? Ah, faut ouvrir cette... Faut peut-être ouvrir ça avec la clé. Ouais. La clé qui était sur le cadavre. Allez, on prend les choux. Les lézards, ça mange du chou, hein, les amis. Donc voilà, on est plongé directement dans le monde de Skyrim. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, les amis. Pour me soutenir. Ah, encore des soldats. Ok, bon. J'ai décidé aussi de vous mettre le jeu en plein écran. Prenez tout ce qui est important et partons. Des sombrages. Ah, mon arme à une main augmentée. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe après. Il est mort. Crève. Voilà. Essayez de trouver.
potion. Soit. Alors, des potions. Là, il y en a une potion. Ok, très bien. Là-dedans, des potions. Ok. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, les compétences de mon personnage. Donc, il y a vraiment tout ça. Tout ça, ce sont des compétences. Voilà, il y en a vraiment beaucoup qu'on va pouvoir débloquer. On va pouvoir les augmenter petit à petit suivant ce que notre personnage fait. Par exemple, là, une main, vous voyez que la barre a un petit peu augmenté parce que je me suis servi d'une arme à une main. Mon armure légère a augmenté également parce que j'ai une armure légère sur moi et j'ai pris quelques coups. C'est comme ça qu'on va augmenter nos capacités. Et en partie, nos niveaux. Je ramasse un peu tout ce que je peux. Ok. Allez, on continue, les amis. Terminé. Ne restons pas ici. Donc voilà, mon argonien, j'ai envie de le spécialiser vraiment dans... J'ai envie de monter un peu tout. What the fuck? Meurs! Bim! Yeah! Ok, c'était une amie. Un marteau. Équipons-nous de ce marteau pour voir. Ouh, ça c'est une arme à deux mains. Une seconde. À la limite, je préfère peut-être plutôt une arme à une main. Ouais, ça c'est bien une masse. Ouh, une masse c'est pas mal. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. Ok. C'est fait. Avoir besoin de cet or quand on sortira. Prenez ce dont vous avez besoin et allons-y. Ah, j'ai eu un livre de magie. Alors, le livre. Étincelle. Voilà, j'ai appris un sort d'étincelle. Très bien, je vais l'assigner à mon autre main. On a aussi flamme. Étincelle, c'est plus puissant. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai la masse d'un côté et j'ai mon sort d'étincelle de l'autre côté qui muse, qui utilise ma barre de magie qui est en bleu. Voilà un petit peu. Ouh, c'est quoi ça? Enfant de dragon. On va le prendre, le livre. Décrocher, une potion de soin, une dague, on s'en moque. Allez, allons-y, les amis. On commence à être un petit peu plus équipés. Donc voilà, j'ai envie de faire vraiment un personnage spécialisé autant dans la magie que dans l'arme à une main. Je vais pas forcément lui donner de bouclier. Ou un squelette. Il a deux pièces d'or, génial. Donc voilà, après ça va être à nous d'explorer ce vaste monde. Et de voir... de résoudre différents problèmes de ce monde, de faire différentes quêtes. Faut savoir que le jeu a une durée de vie quand même assez hallucinante. Allez, étincelle, ça fait quoi? Ça fait assez mal. Allez, bim. Oh, meurs. Ah, ma magie est faible. C'est pas grave, on finit avec la masse. Et voilà. C'est comme ça qu'on se bat, mon petit gars. Je vais pas ramasser... Ah, les flèches, non. On va rien ramasser. Ouais, ok, d'accord. Ok, j'ai plus de magie, du coup on frappe. Ouh, on l'a bien envoyé voler. Il est mort, les pattes écartées. Voilà. Très bien. Armure légère. Bon, on l'a complètement défroqué. Voilà. Mais au moins, on a son armure, comme vous pouvez le voir. Voilà notre Smashou. Bon, pour l'instant, il a l'air d'un lézard un peu chelou. Mais plus tard, on sera un grand guerrier, les amis. Ok, on ouvre ce petit pont. Donc là, le but, ça va être de sortir un peu de cette ville là, parce que y a un dragon quoi qui l'attaque hein, quand même. On peut courir en maintenant la gâchette de gauche. Ah, une petite bourse. Bon voilà, je sais jouer au jeu, donc ça va être plutôt sympa. Ça va pas être de la découverte en mode noob. Des araignées. J'utilise ma magie un petit peu.
Allez, maintenant on les frappe. Vigueur faible, très bien. La vigueur, c'est ce qui va nous servir non seulement à courir, mais aussi à porter des coups puissants. Petit ralenti. Ok. On ramasse le venin de ces araignées. Plutôt dégueulasse le bruit que ça fait. Bleh. Bleh. Très bien. On peut fouiller leurs œufs aussi pour les récupérer. Sachant que tous ces ingrédients vont être très importants plus tard pour nous. Ok. Donc j'en récupère un maximum sans vraiment faire prendre trop de temps. On va essayer quand même d'avancer assez rapidement. Pour que vous puissiez découvrir un petit peu le monde de Skyrim, tout simplement. Bon, c'est sûr que ça change de poké. Ça, c'est sûr. Mais bon. Je ne me fais pas de soucis. Je pense que ça va plaire à certains d'entre vous. Ah, le jeu est assez beau. Hein. Sans parler des graphismes purs et durs, la direction artistique est excellente, je trouve. Bon, là, il y a un ours. On va essayer de s'en approcher discrètement. Ok, il nous a détecté. Allez, la magie. Ok, on l'a eu grâce à notre magie. Alors la magie, ça va être la capacité de destruction qui va augmenter quand on va s'en servir. Donc il va falloir penser aussi à monter la destruction de notre personnage. Puisque c'est avec ça qu'on va lancer de puissants sorts. Puissants sortilèges. Et voilà en fait. Ok, donc allez, on va se diriger par ici. Donc moi je trouve le jeu vraiment très beau. Dites-moi les amis, hein, si vous avez joué à ce jeu... Si vous connaissez le jeu, si vous l'avez fini, si vous l'avez vraiment bouclé, alors on se dirige vers une zone enneigée. C'est quoi ce gamin? On peut adopter des enfants. What the fuck, je savais même pas. Ok. Oh là le dragon. Ok, il s'en va. On peut lui voler des trucs. Il s'en va. On dirait que c'est pour de bon cette fois. Impossible de savoir si... Bon, le dragon est parti les amis. Oui, il faut dégarpir, très bien. Ma sœur Gerdur tient la scierie de Rivebois plus loin sur cette route. Rivebois. Ok. Sans doute mieux nous séparer. On se sépare, d'accord. Ok, bon voilà les amis. À partir de maintenant, on va faire notre route. On va se diriger vers Rivebois, qui est ici. Et nous, nous sommes là. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est le bout de carte. Et voilà, ça c'est toute la carte du monde. Elle est assez hallucinante. Elle est assez grande, l'environnement est très vaste, assez varié. Ça va être vraiment un plaisir pour moi de redécouvrir ça. J'ai déjà hâte. Déjà, je trouve que ça en jette, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très beau jeu, quoi. La première fois que j'ai vu le jeu, moi, je me suis dit... Ok, c'est le Seigneur des Anneaux, mais en jeu vidéo pour moi, quoi. Mais, enfin, un univers vraiment... fantasy, bon, assez classique au final, mais... très bien fait quoi. Allez, c'est parti. On va suivre le chemin pour l'instant. On va glaner un petit peu différentes choses sur le chemin, comme ces fleurs là, qu'on peut prendre. Liste des cimes, ok, ça c'est quoi? Des chardons. Donc tout ça on prend. Très important pour faire de l'alchimie plus tard. Des champignons, on peut aussi les prendre. On peut vraiment récolter pas mal d'éléments naturels du décor. Rejoignez. Ah, donc lui il nous propose de rejoindre les sombrages, d'accord. Je sais pas. Est-ce qu'on rejoint les sombrages ou est-ce qu'on va dire... On va aller à Rivebois de toute manière. Alors, qu'est-ce qui apparaît ici? Un petit renard. Oui, il fuit. Les renards, on peut aussi les tuer hein, pour récupérer de la peau. Qui va nous servir à faire, comme par hasard, des armures de cuir. Ce genre de choses. La petite musique, on peut en profiter. Oh, c'est quoi là? Il y a une immense structure là-bas. Oh. Alors là, on peut admirer un peu plus le décor. C'est quand même très beau, les amis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Ok, allez, on va redescendre pour suivre le chemin. Faut se méfier des chutes. Les chutes peuvent être mortelles dans ce jeu et on peut tomber... Il faut pas grand chose pour mourir, on va dire. Voilà. Allez, des petites fleurs. On ramasse.
Ah, j'espère que notre argonien ira loin. L'argonien, c'est... Ouais, les lézards sont des argoniens, je sais pas pourquoi. Ils viennent des marais, apparemment. Ok. Ça, on peut pas ramasser? Non. Alors, ça, c'est quoi? Les pierres gardiennes. Ah oui, je me souviens. Pierre du guerrier, pierre du mage, pierre du voleur. En fait, on va avoir différents atouts et on peut activer une seule pierre sur les trois. Se placer sous le signe du mage apprendront tous les sorts 20% plus rapidement. D'accord, vous pouvez bénéficier que d'un seul. Ok. On va prendre la pierre du mage. Super. Comme ça, c'est notre magie qui va bénéficier de ça. Donc là, je pense que je vais monter les points. En fait, on a plusieurs points. À chaque montée de niveau, on peut monter soit notre magie, soit notre santé, soit notre vigueur. La santé, c'est nos points de vie. La magie, c'est notre barre de magie, notre puissance de frappe à la magie, je pense aussi. Ah, il y a quelque chose par là. Ah, une mine. Une mine! Ils appellent ça une mine! Désolé, c'est mes petits Roland du Seigneur des Anneaux. Oh, coucou toi. T'es méchant? Ok, tu vas mourir. On tombe sur un bandit. Alors, je l'attaque avec la magie et je le finis à la masse. Allez, on l'a tué dans les buissons. Qu'est-ce qu'il a? Il a 8 d'or sur lui, une petite hache. Ok, ça sert pas à grand-chose. T'as voulu chercher Smashou? Eh bien, t'es mort, mon gars. On a quoi? Un bio. On peut aller tout de suite dans la mine, si vous voulez. Mine de rouge braise, ok. Voilà, vous voyez que ma barre de progression est quasiment au niveau 2. On est presque au niveau 2, les amis. Allez, allons dans cette mine. Un environnement plutôt... Faut pas être claustro, quoi. Petit champignon, on ramasse. Vous n'avez pas peur que n'importe qui vienne se balader. Ouais. Vous n'avez pas peur que n'importe qui vienne se balader. Je ne suis pas n'importe qui, je suis Smashou. Bon, on va le faire cramer avec nos étincelles, lui, le premier. Voilà, et le deuxième, il va manger une autre massue. Voilà. Ok, donc là, nous avons monté de niveau, les amis. Donc voilà. On peut aller là. On se dirige vers le haut du menu. Et voilà, on a un point augmenté. Niveau suivant. Lorsque vous passez de niveau supérieur, vous pourrez choisir votre santé, votre magie, votre vigueur. Il peut également... Vous avez également la possibilité de sélectionner un nouvel atout, d'accord. Donc on va monter la magie en premier. On augmente notre magie. Et voilà. Là, on peut choisir d'augmenter. On a un atout à augmenter. Donc on peut aller là. Augmenter la valeur de l'armure de 20%, par exemple, on peut faire ça. On peut aussi aller dans l'arme à une main. Par exemple, donner 20% de plus de dégâts. On peut aussi aller dans la destruction, ce qui va concerner nos sorts. Donc on va peut-être plutôt faire ça. Diviser par 2 le coup de point de magie, les sorts de destruction de niveau novice, ça c'est très important pour moi. Voilà. Du coup, nos étincelles vont coûter 2 fois moins de points de magie, et ça va être plutôt pas mal à prendre. On va pouvoir vraiment bourriner à la magie. Oh, des petits champignons, on ramasse. On peut dormir dans les sacs de couchage, on peut vraiment tout prendre. On peut tout regarder. Ah, une pioche, très intéressant. Voilà. La pioche, on va tout de suite la mettre en favori. Avec Y. Du coup, on peut l'avoir en raccourci ici, voilà. Hop! Voilà, donc là j'ai une pioche, je peux frapper sur les filons comme ça de fer, ce qui va me permettre d'extraire non seulement du fer, mais aussi différents joyaux comme des améthystes, ce genre de choses. Donc là j'extrais du fer, c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir forger plus tard des armes. Y a rien d'autre par ici? Ah si, regarde, là il y a encore du fer, on peut le creuser. Donc là je frappe comme si je tapais sur le filon en fait, hein, Voilà, le filon est épuisé. Ah, on peut encore... Ouh, là, il y a un squelette. Ah, il y a une bourse, ce squelette. On la prend. Et un journal abîmé. Bon, on va le prendre. Je me suis jamais encore pris la tête à lire vraiment tous les journaux, etc. qu'il y a dans Skyrim. Tous les papiers. Le monde est extrêmement vaste. En fait, c'est digne d'un vrai roman de fantasy... D'un univers de fantasy vraiment varié. Bon, bah c'est l'univers de Morrowind au départ, hein, Skyrim, je pense. Enfin, je crois. Je suis quasiment persuadé, d'ailleurs. Je suis pas un grand connaisseur de cet univers de Morrowind, d'Oblivion. Ok. Alors, on les tape.
Vous voyez qu'on peut utiliser notre magie beaucoup plus facilement. On va réussir à se faire ces deux bandits rien qu'à grâce à notre sort d'étincelle. Donc ça c'est très pratique. Masse de fer, je la prends. Je me suis équipé de la masse. Masse d'acier. Elle est plus puissante, on va la prendre. Cuisse de lapin, hydromel, or, tout ça on prend. Ah, l'hydromel, très important. Ouh, pas mal cette masse, elle est très belle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. On peut lire ça, c'est quoi ça? Sort de clairvoyance. Je ne sais pas ce que ça fait. Je vais regarder, les amis, ce que fait le sort de clairvoyance. Je ne sais pas du tout. Indique le chemin menant l'objectif en cours. D'accord. J'ai appris un nouveau sort, donc grâce à ce livre. Il y a des livres qui nous... En fait, les sorts s'apprennent dans des livres. Un peu comme dans Donjons et Dragons, en fait. Hein. C'est clairement... Oh! Ouais, quelle bonne surprise, tu vas mourir. Voilà. La pauvre. Une clé. Ça nous permet d'ouvrir ça? Oui, impeccable. Ah, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'ils ont caché? Une gemme spirituelle, un livre de sort, froid mordant. Et un arc de chasse. Bon, on va prendre l'arc aussi, on sait jamais. Pour le revendre, voilà. Alors, on a un livre de sort, froid mordant. Alors, voyons dans notre magie si on peut se servir de sort. Novice. Un souffle glacé qui inflige 8 points de dégâts de santé et de vigueur par seconde, d'accord. Alors, on a un sort de soin, très intéressant. Je vais mettre en favori. On a un sort de flamme. Voilà, donc là, je peux choisir un petit peu entre flamme et étincelle. On va prendre les flammes pour voir. Voilà, plutôt sympa. On balance du feu avec notre paume. Rien par ici. Alors, on va continuer à explorer un peu par là. On a déjà exploré, d'accord. Ah non, pas encore. C'est moi! Alors on est en train de brûler ce bandit avant même qu'il puisse nous atteindre. Et voilà, il s'étale dans les marches devant nous. Oh, il y a d'autres gars, il y a d'autres gars par ici. Oh là, il a une épée à deux mains lui. Il ne l'a plus. Putain, il y a encore quelqu'un qui nous tire dessus. Ah, c'est là-haut. Pas le toucher d'ici avec notre flamme. Ah si, on peut. Non, tu vas mourir. On l'a eu. Ah, le cadavre est là-haut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un petit filon de fer, on va le piocher. On garde quand même un sort dans la main, histoire d'être sûr, si quelqu'un nous attaque, on aura notre flamme pour le défoncer. Ok, très bien. Du minerai de fer, on va le prendre. Ah, un livre qui augmente directement une de nos compétences. Il y a certains livres qui font ça, les amis. Ah, ici, on peut forger. Donc voilà, ça c'est une forge. Pour l'instant, on ne peut rien faire, je crois. On ne peut rien faire pour l'instant, je crois. Ah, il y a des lingots ici. Lingots de fer, on les prend, évidemment. Ça peut servir pour nous plus tard. Ok, bon, il n'y a rien d'autre par là. Ah, une bourse. Tiens, on va la prendre. Un petit peu d'or. 24. 24 d'or, c'est pas forcément dégueulasse dès le début du jeu. Ah oui, là-haut. On n'a pas encore été là-haut. On va aller examiner un petit peu le cadavre qu'on a fait cuire, on va dire. Ah, ici, où il y a des choses ici. Du lapin. On peut prendre tout ça, ça nous permet de nous soigner aussi. Quand on est vraiment dans des situations difficiles. Ce qui arrive quand même assez souvent. Alors, le cadavre est là. Des crochets. Quand on va la balancer dans l'eau. Allez, dégage. Et il ne fallait pas chercher le grand Smashou. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Oh, c'est beau. Ah, un filon de fer, d'accord. Écoutez, je vais extraire le fer qu'il y a ici.
C'est marrant, j'avais pas souvenir qu'on avait accès aux mines comme ça dès le début du jeu. Ah, il y a un coffre. Ah non, il faut le déverrouiller. Lingot d'argent, potion de vigueur en arc long. Bon, l'arc long ne va pas nous servir à grand chose. Très bien. Hop là, on saute dans l'eau. Il n'y a rien là-dessous. Bien écoutez les amis, je pense qu'on est bien pour quitter cette mine. Alors en fait, les Argoniens ont quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils peuvent respirer sous l'eau. Enfin, c'est intéressant. C'est pas hyper intéressant, mais c'est une de leurs capacités. Il faut quand même noter cette capacité. Hein. Ça pourra peut-être nous servir. Allez, on sort de cette mine par où on était entré. Ah, je vais pas trop courir, histoire de pas mettre ma vigueur vraiment dans le mal. Très bien, bon. Exploration de la mine, c'est fait. Allez, on va reprendre un petit peu. Alors, quelle arme est la plus puissante? Dégâts 10... Non, ça, on peut passer à deux mains. 11 dégâts, 10 dégâts. Donc, c'est la masse d'acier. Merde, j'ai lâché. On va la prendre. C'est la masse d'acier qui est la meilleure pour nous. Elle est en favori. Non, elle n'est pas en favori. Attendez, je me bats un petit peu avec le jeu. Ah, là, elle est en favori. Voilà. Là, on a la masse d'acier et notre sort de flamme. Et on peut changer quand on veut. On peut prendre étincelle. Voilà, c'est beau, ça. Hein, c'est quand même pas mal. Ok. Allez, on retourne sur Bord de Ciel. Ah, j'ai oublié de vous préciser que la région, le monde, là, s'appelle Bord de Ciel. Et nous y sommes à nouveau. On va peut-être ranger nos armes, voilà. Ça fait un petit peu moyen quand même de se balader avec des flammes dans la main et une massue dans l'autre. Et on va se diriger vers notre objectif qui est sur le petit radar que vous voyez en haut, la barre. C'est un radar en fait, vous voyez, là c'est le nord. Ici c'est l'ouest. Ici c'est le sud et ici c'est l'est. Donc là on va se diriger un peu vers le nord-est en fait, comme vous pouvez le voir, vers Rivebois. On va quand même glaner quelques fleurs sur la route. Ça, on peut pas ramasser. On dirait des pissenlits. Ah là, les listes des cibles. Tout ça, on ramasse. Là-bas, il y a un cerf. Il y a du gibier. Pas mal de gibier dans le jeu. Hein. On va pouvoir facilement les avoir plus tard avec notre magie. Habituellement, c'est plus les archers qui vont les avoir facilement grâce à leur flèche, forcément. L'arc, très bonne arme de chasse. Hein. Comme vous vous en doutez, les amis. Oh, des loups. Ok, on va les terminer. Voilà. Oh là là, ils ont eu mal. Ils ont eu très mal. Fallait pas me chercher. On peut récupérer la peau de loup. On peut aussi déplacer les cadavres comme on veut. C'est assez con. Wouhou! Ça va être l'occasion de rigoler de temps en temps, les amis. Donc voilà, même quand on est sur les routes, on n'est pas forcément à l'abri dans Skyrim. Il y a des loups, des ours, beaucoup d'animaux qui peuvent être dangereux. Il y a aussi tout simplement des humains, ou même des elfes, ou des personnes d'autres races qui vont pouvoir venir nous chercher des noises, venir nous embêter, venir vouloir nous attaquer, nous tuer. Mais on va pas se laisser faire. Ok. Bon, voilà Rivebois. Nous allons y entrer. Nous allons voir un petit peu. On voit qu'il y a un petit peu de... Il y a des gens. Allez. Rivebois, nouvelle découverte. Ah, des champignons. Il y a des toiles d'araignée là, on sait pas trop ce que c'est. Du chardon, je prends. Du chardon encore. J'ai vu un dragon. Moi aussi je l'ai vu. Qu'y a-t-il encore, mais... Il était aussi grand qu'une montagne aussi noire que la nuit. Il vient de survoler le tertre. Des dragons maintenant? Si vous continuez ainsi, tout le monde en train de croire à folle. Et j'ai mieux à faire qu'écouter vos derniers délits. Ah, le tertre doit être là-bas. Ça doit être ça, là-bas. C'est la grande bâtisse qu'on avait vue d'en haut. Bon, ok. Papa dit que je me méfie pas assez des étrangers. Mais vous, vous avez l'air aimable. C'est pas tous les jours qu'on a des visites à Rivebois. N'y pensez même pas. Bonjour. Moi, ce qu'il vous faut. Si c'est simple et solide. Alors c'est un forgeron. Vous avez besoin d'aide à la forge? Et si vous me fabriquiez une dague de fer? D'accord. Voilà tout ce qu'il vous faut. Allez-y.
Elle nous a donné de quoi faire une dague de fer. On va la fabriquer. Pas très dur. On va en faire. On fabrique une dague de fer. Paf. Voilà. Voici une dague de fer. Allez, on va l'affûter ta dague. La meule qui est ici. Ok, mon gars. Alors, voilà, on peut l'affûter. Oh, j'appuie sur B, c'est pas bon ça. Allez, on utilise la meule, on va aller sur sa dague de fer. Et on appuie sur X pour l'artisanat. Tremper une dague de fer, d'accord. Ça c'est fait. Apporter une dague de fer trempée à Alvor, ok, bon, on va lui donner. Le fer, je peux vous. Ça m'a l'air très bien. Ouais. Il y a beaucoup d'applications pour fabriquer vos lames. Elles vous le rendront quand vous aurez besoin. Le cuir, c'est ici. Alors là, il nous apprend un petit peu toutes les bases de tout ce qui est forgeron. Voilà, moi je peux faire du cuir grâce au pot que j'ai ramassé, je vais le faire. Ah non, merde. J'ai plus de cuir, je crois. Mince. J'ai plus de cuir. Tout le cuir que j'avais, j'en ai fait des bandes de cuir. Peut-être qu'on peut lui en acheter. On va essayer de lui en acheter pour lui donner... J'ai un peu fait le con. Ok, il a du cuir. On va lui acheter un de cuir. Voilà. Bonjour, tenez, voici le cuir que vous m'avez demandé. Si on lui achète son cuir pour lui redonner. Apportez le... Fabriquer un casque en peau. Sur l'établi, je crois. Non, même pas. C'est ça la forge. C'est pas très logique, ça. Casque en peau, voilà, c'est fait. On va lui apporter. Je devrais vous engager pour m'assister. Améliorons un peu la taille. Ah. Mettez ce cuir à l'établi, là-bas. Ouais. Papa dit que je suis pas encore prête à fabriquer des armes. Alors je me coltine les fers à cheval et les gros clous. Voilà. On a trempé le casque en peau. Ouais. Vous avez du talent. Je sais. Continuez à pratiquer, vous maîtriserez parfaitement. Pourquoi ne garderiez-vous pas cette dague et ce casque? Vous vous souviendrez peut-être. Pourquoi pas, merci. Alors, voyons voir le casque. Qu'est-ce qu'il vaut? Bon, il vaut pas beaucoup plus que ce qu'on a. Et il a la même défense. Bon, il est un peu plus classe, on va le mettre. Quand vous fabriquerez de l'acier de la forge au ciel, n'est-ce pas? Maman dit que je suis un garçon manqué. Je me fais des histoires de bonne femme. Ok. Le fer ou l'acier, voilà ce qu'il vous faut. La fantaisie des métaux elfiques. Alors qu'est-ce qu'on a à faire ici, Arrive? Bon, on va suivre notre objectif. Très bien, il faut parler à cette dame. C'est elle qui a vu le dragon, peut-être. On va prendre les champignons qui sont ici. Un dragon a attaqué. En chair et en os, vous venez d'arriver à Rivebois. Ah, avez-vous des provisions que je pourrais emprunter? Oh, elle nous donne tout ça. Ouh, allez, on prend tout. Merci bien. Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Même oui. Pour nous tous. Quoi donc? D'après Lucan du marché de Rivebois, des voleurs se seraient introduits dans aussi sa boutique. Étrange que ça puisse paraître. Ils n'ont quasiment rien pris. Dragon, c'est étrange. C'est mort. Mm-hmm. C'est la confusion qui nous a permis. D'accord. Nous sommes vraiment les premières. Bien le bonjour à vous, camarade. À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Notre village tient dans un mouchoir de poche, mais nous c'est mon moulin. Et par Alvor peut vous aider. C'est notre forgeron. On l'a déjà fait. Ok. Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Oh, Harry. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Très bien. Bon, on a pris tout ce qu'on pouvait, nous a donné des provisions, c'est plutôt sympa de sa part. On prend les charbons dans les jardins, on s'en bat les steaks. On est des petits voleurs. Qu'est-ce qu'il y a ici? Auberge du géant endormi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On est niveau 2, les amis. Alors. Orgnar. Orgnar. Tu entends? Nous avons des chambres et de la nourriture. De quoi boire aussi. Du moment que vous nettoyez. C'est dur de faire autrement. Ah, on peut fabriquer une potion. Ah, c'est ça. Voilà le laboratoire alchimique. Alors, fabriquer une potion. Tu m'entends? Oui, la pierre. C'est fait. Oui. Très
très facile. En fait, tous les ingrédients qu'on a ramassés sur le chemin, ça nous permet de faire des potions. Débrouille-toi pour qu'on en ait. Il vous faut une chambre, parlez à Delphine. Je ne veux pas de... Non. Non, je veux pas de chambre ni rien. Je vais continuer mon exploration. Un petit chardon, cool. Ouais. Je vais regarder. Alors là, on peut mettre start pour voir nos objectifs. Adressez-vous à Gerud. Gerdur à Rivebois. Bon, on l'a déjà fait. On s'est déjà adressé à elle. Elle est partie. Elle est là. Une vache. Ouais. Alors, on va là-dedans. On va lui reparler, mais je crois qu'elle nous a déjà tout dit, non? Notre village tient dans... Traversez la rivière en direction du nord. Une fois les chutes passées, vous apercevrez Blanche Rive, perchée sur la colline. Je possède la scierie et je paie bien. Si vous cherchez du travail, allez voir mon mari, Odd. C'est tout? Mon seul problème, c'est que la guerre vienne jusqu'à nous. On peut prendre l'or et la peau. Ce n'est pas considéré comme du vol, étrangement. Ok. Bon bah, faisons ce qu'elle nous a dit. Dirigeons-nous vers le nord. C'est par ici, le nord. Après les chutes d'eau, on devrait voir Blanche Rive. Donc allons-y. C'est à peu près vers le nord. La nuit commence à tomber. Ouh, la méchante lune. Ça, c'est de la lune qui prend de la place. Hein. Ok. Alors, Blanche Rive sur la carte, c'est où? C'est là. Bon, c'est peut-être un petit peu loin. On va peut-être s'arrêter ici. Ok, on va s'arrêter sur ce pont pour ce premier épisode, les amis. Paf. Sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Et voilà, j'espère que ce premier épisode de Skyrim vous a plu, nous nous retrouvons très prochainement pour le deuxième, n'hésitez pas à me soutenir avec le petit pouce bleu les amis, c'est très important pour moi, et voilà, c'était Smashou sur Skyrim, le petit lézard, et voilà, je vous fais des bisous, à plus tout le monde!